Chef Condé, comme représentant du Sankourou, avec tous les chefs portugais du Sankourou, les Contekenka. Je parle des enfants. Depuis 1960, les Contekenka. Je parle des enfants. Depuis 1960, donc, s'il vous plaît, chers amis de la presse, vous pouvez prendre des images même à distance, d'ailleurs mieux. Ouais, il y a des zooms. La manifestation, chacun de nous regagne sa place, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Sana
sur le président national de AAP, Théophile Bomba. Chéribin Okenesenga, venu d'une famille à des cultures qui est de Sankourou, de par son père, et du Maniema, de par sa maman. C'est pour dire que Oribe Chéribin Okende ne vient pas d'une famille de patrons. Nous sommes tellement énervés que nous devons dire à l'ensemble ici présent que nous ne croyons pas du tout qu'il s'est suicidé. Et tout le monde sait que Chéribin a été assassiné. Et ça a été dit le lendemain du jour où le malheur lui est parvenu. Il n'est pas parti au marché ni au supermarché, il est allé à la Cour constitutionnelle. Nous ne sommes pas des amnésiques pour qu'on vienne nous raconter des bêtises et qu'on ne nous fasse pas taire parce que nous n'allons jamais abandonner le combat. Chéribin a été tué de manière la plus sauvage. Et au centre de la ville de Kinshasa, vous vous rendez compte qu'un homme si connu, qui a été notre frère, député en fonction, ex-ministre du gouvernement national, qu'on chope dans les enceintes de la Cour constitutionnelle et le lendemain le trouve mort. Et pour vous autres, la population quinoise, quel sort vous attend? Quel sort quand on peut tuer un type comme Chéribin Okende, bien connu, une figure bien connue de la politique congolaise, un leader, on le sort de la Cour constitutionnelle et le lendemain on le trouve assassiné. Bien, nous nous réservons de ne pas faire beaucoup de commentaires puisqu'en réalité, le collectif d'avocats que nous avons choisi de manière professionnelle et les avocats au niveau international sont en train de s'y mettre pour contraindre, pour dire la vérité sur ce qui est arrivé. Et je vous le promets, nous avons tous les éléments à notre possession pour contredire tout ce qui a été raconté au niveau de la Cour de cassation. Un boulot. Donc, donnez-leur l'autorisation d'intervenir. Ainsi donc, je voudrais ici vous dire que le jour de sa mort, Chéribin Okende n'attisait aucun signe de désarroi ou de déception. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune raison d'aller s'assassiner, disons, se suicider. Donc qu'on ne vienne pas nous tromper qu'il s'est suicidé. C'est la manière la plus facile d'insulter quelqu'un qui a eu beaucoup de valeur, qui a fait la fierté de votre gouvernement. Parlant du gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui nous a abandonnés jusqu'à ce moment-ci. Je vais vous faire savoir que tout ce que nous sommes en train d'organiser, depuis le moment où il est décédé jusqu'aujourd'hui, nous n'avons eu aucun rond, ni du gouvernement, ni du Parlement. Donc il ne faut pas faire une confusion. Il faudrait que vous le sachiez. Et nous n'en avons pas besoin d'ailleurs. Gardez votre argent. Ce que nous voulons, c'est la justice. Au chef de l'État, garant de la nation, soi-disant, nous voudrions qu'il puisse nous démontrer réellement qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il contrôle ce que lui a toujours appelé une justice qui fait la honte. C'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je ne fais que répéter ses propres mots. Et dernièrement, il a dit que c'est une justice malade. Yeah, 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 yeah
Mboka. Les habitants de Kinshasa et les environs. Alain Badianyama Coaching organise ce dimanche 24 mars 2024 dans la salle Showbiz à Kinshasa Gombe, référence ambassade de France. La deuxième édition Oracle sur Kinshasa. En collaboration avec les serviteurs des dieux du Congo démocratique. Orateur, apôtre Alain Badianyama. L'un des fils de Aldina Bala, avec comme thème Mystère des saisons. L'entrée est gratuite. Que Dieu vous bénisse. Thank you.
Oh,
Thank you.
cœurs des femmes. Seigneur, le repos éternel, et que brille pour lui la lumière sans déclin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous.
Nous lisons le cinquième chapitre. Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Alors, ouvrant la bouche, il s'est mis à les instruire. Il disait, « Heureux le pauvre des cœurs, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils obtiendront la terre promise. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils des dieux. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Rejouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux. Gloire et louange à toi. Le projet d'une famille unie et heureuse
auquel Chérubin s'était consacré. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu que nous venons d'écouter raffermit notre foi à la résurrection et nous invite à passer notre pèlerinage terrestre en pratiquant la justice, en faisant le bien, en aimant les autres. En effet, d'après les Écritures, le juste est avant tout un homme de foi. Son action en faveur de la justice au profit de ses frères et sœurs découle de la grâce de Dieu. Comme le déclare l'Épître aux Hébreux, Abraham eut foi en Dieu et il lui fit accorder d'être juste. Romains 4, 3. Mais c'est Jésus qui est le véritable modèle de la justice. Saint Pierre écrit à son sujet, car le Christ, lui aussi, a souffert pour le péché une seule fois. Lui le juste, il a souffert pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. 1 Pierre 3, 18. À la suite du Christ, les artisans de la justice risquent constamment leur vie en cherchant le bonheur des autres, en disant la vérité. Dans la première lecture, tirée du livre de la sagesse, l'auteur sacré affirme qu'en dépit de tourments et tribulations auxquelles elle demeure confrontée, est dans la main de Dieu. Sagesse 3, 1. Cette lecture du livre de la sagesse est celui de bonheur, est celui de l'immortalité. Sa providence signifie qu'en tant que maître de l'histoire, Dieu n'abandonne jamais sa création, encore moins ses enfants. Raison pour laquelle, même lorsque certains pourraient être portés à croire que la fin tragique d'un homme de bien, un homme juste, serait un échec, l'Écriture sainte nous révèle que Dieu, avec la sollicitude d'un père et la tendresse d'une mère, continue à le soutenir et à l'appuyer. Sa logique est tout autre, la pensée de Dieu est tout autre. Bien plus, ces textes du livre de la sagesse apportent un démenti formel contre tous ceux qui croient qu'après la mort, il n'y a plus rien, car Dieu accorde à ses élus grâce et miséricorde. Sagesse 4, 15. Dans la péricope de l'Évangile, selon Saint Matthieu, que nous venons d'entendre tout à l'heure, Jésus nous donne les 8 béatitudes qui insistent à 2 reprises sur la justice. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Matthieu 5, 6. Et heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, 10. Ainsi,
Dans leur unité articulée, les béatitudes nous apprennent que les artisans de paix cultivent en toute douceur la pauvreté du cœur et s'engagent au service de la justice en dépit de persécution. Là où certains pensent que le bonheur consiste à amasser des biens et des gloires et à en jouir, le juste partage et risque sa vie pour le bien, pour le bonheur de tous. De cette façon, les béatitudes encouragent les artisans de la justice à ne jamais céder à la peur devant les épreuves, mais plutôt à compter en tout temps sur le Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, notre frère chérubin, malgré ses fragilités et ses limites, a cherché à vivre dans ce monde en homme juste. Père de famille attentionné, il a transmis à ses enfants des valeurs chrétiennes et humaines. Et vos questions demeurées sans réponse sont nombreuses. Depuis la tragédie, dans la nuit du 13 juillet, votre vie a basculé. Vous vous demandez, vous vous posez des questions. Comment en sommes-nous arrivés là? Vous vous demandez pourquoi le Seigneur a-t-il permis cette tragédie? Et tant d'autres questions encore que vous continuez à vous poser. Mais hélas, vos questions, vos interrogations semblent se heurter à l'indifférence totale de ceux qui ont pourtant reçu la mission de protéger les personnes et de rendre justice. Votre souffrance les laisse indifférents. La conclusion incompréhensible à laquelle est parvenue l'enquête est la preuve suprême, s'il y en avait encore besoin, que la justice de notre pays est vraiment malade.
et la levée du moratoire sur la peine de mort remet entre les mains d'un malade déclaré l'arme de l'État.
Ce Seigneur